de l'Impact, Olivier Renard, se joint à nous cet après-midi pour répondre à vos questions. D'ailleurs, si vous en avez une, levez la main. On procède comme d'habitude en appuyant sur Raise Hand. Sporting Director Olivier Renard is with us this afternoon to answer your question. Please raise your hand if you have one. Bonjour Olivier. Bonjour à tous. On a une première question de Gavino, IMFC Radio. Merci, Pat. Olivier, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu la petite histoire sur le transfert de Saphir Taider? Est-ce que c'était, bon, par exemple, la demande du joueur? Qui a parlé à qui en premier? Et est-ce que vous avez, comme sous-question, là, obtenu quelque chose en retour? Merci. Bah, ce n'est pas forcément une petite histoire. Je pense que pour lui, c'est l'Impact de Montréal en général a été une belle histoire, une grande histoire pour lui. Je pense que le club aussi, comme dans le communiqué, on l'a remercié parce que Saphir, pendant ces années ici, a toujours été disponible, professionnel et a apporté sur le terrain un certain nombre de buts et d'assists. Donc c'était comme ça. Après, c'est vrai que moi, je suis en pourparlers avec la plupart et même avec tous les agents de tous nos joueurs. Nous sommes au courant de quand il y a de l'intérêt qui peut arriver à gauche, à droite pour un de leurs joueurs. Donc avec Saphir, ça s'est passé comme ça. J'étais en contact avec son agent. Il y a eu un club qui s'est manifesté. Saphir, c'est aussi important de dire, il était réellement blessé parce que je sais que parfois les gens peuvent croire que ça fait plusieurs jours que nous étions en discussion et alors c'est pour ça qu'il ne jouait pas. C'est faux. Saphir était vraiment blessé. Sinon, il aurait voulu aider sur le terrain l'équipe, ses partenaires, donc enfin ses coéquipiers. Et ça s'est fait assez naturellement, il nous a demandé de bien écouter l'offre parce que lui, il avait cette opportunité pour lui et pour sa famille. Et nous, à partir du moment où on s'est entendu sur un prix de transfert avec le club, on a ouvert la porte à Saphir. Prochaine question, Jérémy Filosa du 98.5. Oui, je ne sais pas s'il y aurait moyen de nous donner une idée là, sur le montant du transfert, étant donné que toutes les autres transactions que vous nous avez communiquées au cours des derniers jours, il y a eu bien sûr l'information qui partait et aussi l'information qui revenait. Mais ma question, c'est avez-vous d'autres joueurs qui sont dans la même position que Saphir Taider, étant donné qu'on a entendu Boyan il y a quelques semaines dire que pour lui aussi, ça commençait à être un peu lourd, compliqué, toute cette situation avec. L'isolement et la situation que vous êtes installé aux États-Unis. Donc, merci pour les deux. Merci. Bonjour Jérémy. Bon, tout d'abord, sur le montant, on ne l'a pas communiqué, on ne va pas le communiquer, ce n'est pas une obligation de notre part. Et puis par rapport au club de ce côté-là aussi, on s'est mis d'accord avec eux de ne pas communiquer. Après, si ça sort, ça sortira, mais nous, de notre côté, on ne va pas divulguer ça. Par rapport aux autres joueurs, bien sûr qu'au niveau psychologique, ce n'est pas évident pour eux, mais ils sont professionnels et ils doivent donner le maximum sur le terrain. Je sais qu'il y a beaucoup de commentaires pour l'instant et qui partent surtout sur le fait que nous sommes là-bas, que ce n'est pas évident. Moi, personnellement, comme directeur sportif du club, je veux arrêter de prendre ça comme excuse. Tout le monde est au courant de la situation de l'Impact de Montréal, que ce n'est pas évident pour les joueurs. Donc, je compte sur vous, la presse, et c'est ce que vous faites, d'être un maximum objectif dans vos remarques et vos réflexions et vos articles. Donc, vos remarques sont basées sur le fait de savoir que les joueurs sont là-bas. Moi, de mon côté, ce n'est plus une excuse. On sait que c'est une difficulté. Maintenant, les joueurs doivent prendre des points et c'est tout. Le football, c'est sur le terrain. Olivier Brett. Oui, merci beaucoup de prendre le temps, Olivier, peut-être pour faire un petit peu de pouce sur ce commentaire-là, parce que très franchement, ça clash avec ceux qui sont offerts par Thierry depuis un petit moment déjà. Est-ce que c'est un sujet qui a été abordé avec lui pour peut-être arrêter de remâcher à quelque part ces faits-là, d'être sur la route, loin de la famille, etc.? Bonjour Olivier, non, parce que ce que Thierry dit, c'est vrai. Si lui, il a envie de communiquer comme cela, c'est son droit et je n'ai pas de problème avec ça parce qu'on sait, on connaît la réalité. Moi, je parle de ma position à moi. Moi, je n'ai pas envie d'en parler de ça parce que, comme je l'ai déjà dit dans plusieurs interviews, il y a des gens qui ont beaucoup plus de difficultés que certains joueurs de l'Impact de Montréal, je parle dans la vie en général. Nous connaissons la difficulté et pour moi, de mon côté, ça s'arrête là. On doit rester un maximum sur le terrain, mais tout ce qui est de communication, je comprends pour que ce que le coach veut faire passer comme message, et ce sont ses mots,
Mais moi, je parle de mon côté à moi. Je veux, c'est pas ce que j'ai envie de discuter maintenant. We have one in English from Tom Bogert, MLSsoccer.com. Okay. Thanks for doing this. I'd imagine that you've already addressed why and everything behind the deal. So I guess just, you know, a bigger picture question. You know, what are your thoughts on a few Saudi Arabian clubs kind of coming in for MLS players in recent times, like Safir, Alexandru Mitrita, and PT Martinez? Pat, désolé, mais j'ai pas compris la question. Tom, can you please repeat and a bit slower? I didn't understand as well the last part of your question. All right. Just what are your thoughts on the recent trend of Saudi clubs coming to MLS for talent like PT Martinez, Alexandru Mitrita, and now Taider? L'attrait, Olivier, des clubs. Par rapport à la communication du montant de transfert, c'est ça? C'est plus par rapport à l'attrait de l'Arabie Saoudite qui attire des joueurs de MLS. Oh. It's not my job to work for this kind of club. We as club, we receive one offer for our player. And we have the agreement. For me, Safir can go also in Europe. It's not the fact that we need to choose for the player. The player chose where he wants to go to play. And for us, important is to find agreement between the club for the if the player from MLS. I think that now the MLS is a competition will be better and better, and many players can be sold to go in Europe or in Arabia Saudita or anywhere. Gemma from Canadian Press. Hi Olivier, thanks for doing this today. When we were talking to Terry ahead of the game the other night, he was saying that he didn't have enough players to do training properly. And now he's lost Safir and Clément is gone for a little while as well. How can you help him get enough talent to train adequately for the last few games of the season here? But, you know, for me, it's very easy to answer on this question. I know that for you it's not so easy to understand. We have many injury players, a player like Clément Diop, they need to go back to France. I think yesterday was maybe 12 players out. But we have 30 players with contract with Impact Montreal. And 30 players is the maximum player that you can have in MLS rules. I think that the good question is not about how many players can train or we can maybe buy 5-6 players more. It's not a good question. We can't. We have 30 players on the list. And the more important thing is why we have 12 players out. It is a question that we need to analyze in sportive staff and medical staff and to be better in the next months. This is, for me, the biggest problem that we have. It's not about how many players Impact Montreal have. We have 30. But we have many players out. This is more the right question. Jérémy, une deuxième question. Merci beaucoup. Bon, justement, on parle de manque d'effectifs. Est-ce que vous pouvez nous donner des mises à jour, par exemple, sur des joueurs qui pourraient, peut-être sur le court terme, vous donner un coup de pouce? On essaie de suivre de loin. C'est très compliqué pour nous. Donc, si vous pourriez nous expliquer où en sommes-nous avec Kissa, Keyshawn Ferdinand et Steven Sabah, par exemple, qui pourraient être des gars qui pourraient rejoindre l'équipe et vous aider là, sous peu. Merci. Non, mais Keyshawn, il est au New Jersey. Il s'entraîne avec les joueurs, comme Geraldo, comme tous les joueurs. Mais la seule différence avec Keyshawn, c'est que pour le moment, il n'est pas sur la liste des joueurs qui peuvent jouer. Comme je viens de l'expliquer juste avant le match d'hier soir, bon, maintenant, il y a eu le départ de Safir. On avait 30 joueurs dans l'effectif. Et 30 joueurs, c'est le maximum de joueurs qu'on peut avoir dans la liste. Donc, Keyshawn est là. Il fait partie des entraînements. Par rapport à Steven Sabah, il revient à la blessure. Il s'entraîne maintenant ici sur Montréal. Et touchant du bois, il n'y a pas de rechute pour l'instant et il va faire partie du prochain voyage avec l'équipe sur le New Jersey. Ce qui est important aussi d'expliquer, c'est que malheureusement, on se doit, nous, en tant que club, de réagir et de pas improviser, mais presque, avec cette situation de Covid. Donc, c'est-à-dire, vous savez, si on était sur notre marché ici à Montréal et que nous avons ces 12 blessés qui sont là ou ces 12 joueurs absents, on fait et on ferait, et en plus c'est mon souhait, de faire monter des joueurs des U23 pour s'entraîner, pour avoir assez de joueurs pour l'entraînement
pour que l'entraîneur puisse faire des oppositions 11 contre 11, qui maintenant, c'est vrai, il n'arrive pas à le faire à l'entraînement. Mais la chose importante à expliquer, c'est qu'on ne peut pas le faire. Parce qu'il y a ces fameuses bulles, donc la bulle de l'équipe U23 et la bulle de l'équipe première, du noyau de l'équipe pro, les joueurs ne peuvent pas faire, c'est pas un vase communicant, ils ne peuvent pas venir aider le nombre d'entraînements, le nombre de joueurs. Donc ça, ce sont des choses qui, en temps normal, se seraient passées ici à Montréal, mais nous ne sommes pas en temps normal. Donc on doit malheureusement se battre contre ces blessés et se battre contre les protocoles. Donc c'est vrai que pour un staff, ce n'est pas évident de faire des entraînements avec une équipe qui est réduite, mais on ne sait pas faire autrement parce que les 30 joueurs, ils sont sous contrat à l'Impact de Montréal. Mais il y a des blessés, donc voilà, ça c'est le... Et au niveau des autres joueurs, il y a des joueurs qui sont blessés pour plus longue durée et il y a des joueurs aussi malheureusement qui sont au jour le jour et comme hier, il y a des joueurs qui ont testé presque avant le match. Il y a même certains joueurs qui ont commencé le match qui n'étaient pas à 100%, mais c'est comme ça. Et dans le football, il y a beaucoup de matchs parfois que tu joues qui n'est pas à 100%. Il y en a un deuxième aussi d'Olivier. Oui, merci beaucoup. Peut-être juste revenir sur le montant du transfert de Saphir. Je comprends qu'on ne le divulgue pas, mais j'aimerais ça un petit peu rentrer dans le thinking derrière la décision de ne pas divulguer. C'est quoi les avantages de ne pas le faire? Puis ce serait quoi, en revanche, les inconvénients que ça sorte, ce genre de montant-là? Bon, très honnêtement, je pense que c'est plus... on apprend à vous connaître aussi, donc vous n'êtes jamais content dans certains montants. Nous, l'important, c'est de faire un deal où le joueur est content de partir. J'ai entendu aussi que Saphir est un joueur qui voulait partir. Il ne nous a jamais dit qu'il voulait partir. Il sentait bien, sa famille sentait bien aussi. Ça, c'est une parenthèse, mais c'est important de le dire. Mais là, il voulait partir. Il avait une opportunité, donc on a travaillé avec lui. Mais moi, en général, c'est l'économie de salaire. Ça, je pense que vous êtes au courant que Saphir avait un contrat important, que ce soit l'économie de salaire pour la fin 2020 et le 2021. Donc, ça nous fait pour nous une marge assez grande de pouvoir les choses... d'anticiper les choses pour la saison prochaine au niveau de bloquer déjà des joueurs pour après janvier. Et c'est ce qu'on va faire et c'est ce qu'on fait déjà maintenant. Mais au niveau de la divulgation du montant, honnêtement, si je dis X, on va me demander pourquoi tu n'as pas fait Y et si c'était Y, pourquoi tu n'as pas fait X. Donc, très honnêtement, je ne sais pas si c'est vraiment important de savoir ça et pour le moment, on préfère ne pas divulguer. Prochaine question, Tony Marinaro, TSN 690. Tony, est-ce que tu es là? Yes, hello, Olivier. Nice to talk to you. Do you hear me? Yes, we do. C'est pas top, mais c'est là. OK, merci. Je vais... Olivier, my question to you is, I know that you are aware of scientific data that's out there when teams play every 3 and 4 days the way your team has been playing. My question to you is, how much is that being discussed with you and your staff prior to putting down the starting 11 going into a game, knowing that if you go with the same players all the time, 3 days later, there's a drop off in productivity and intensity. And 3 or 4 days after that, it's even higher and then even more and even more. How much is that is being taken into consideration? I know I understand your question, but it's more a question for the coach. I speak every day with the coach, but I am sport director, I am not coach. And all the details about the start 11, he takes the decision that he wants with his staff, not with me. We speak about player, he can ask me when he wants about my idea, about my philosophy, about what I think about this situation and this situation, and I want and I will every time answer to what I think to Thierry. But the last decision, about one changement or changing of two or three, it is the decision of Thierry and the staff. I don't speak too much about this. He need to manage the team like he wants. For me, I am very free with this, and he need to take the decision. And what he take normally is the decision that he want to take the result. And it's not against the club to make one or two or three. He decide, and I am okay with this. Adi Raphaël maintenant.
Merci Pat. Bonjour Olivier. Petite question par rapport au dernier échange que vous avez fait pour la place internationale avec les 50 000 d'argent de location. Est-ce que ça veut dire que pour 2020, à part Kiza, est-ce que ça veut dire qu'on n'aura pas d'autres mouvements pour 2020 ou vous êtes encore en réflexion ou bien on se tourne vraiment pour 2021? Mais quand je suis arrivé ici, je l'ai toujours dit, on ne savait pas faire d'un coup de baguette magique, changer tous les résultats et tout le club. Donc, moi, je regarde sur le long terme. Le club regarde sur le long terme. Et c'est vrai que c'est important aussi par rapport à nos fans d'expliquer que même la décision de Saphir Tider, c'est une décision pour essayer qu'on devienne meilleur dans les prochains mois, dans les prochaines années. Donc, nous, c'est le long terme. On regarde maintenant pour investir sur des joueurs pour la saison 2021. Et pour répondre aussi à la question maintenant, ce n'est pas prévu de reprendre un joueur pour les raisons aussi que j'ai expliquées avec le nombre de joueurs que nous avons maintenant. On pourrait même mettre Kishan Ferdinand s'il faut dans l'effectif parce que c'est vrai que maintenant, avec le départ de Saphir, il y a une place qui s'est libérée. Mais je vous expliquais aussi que le départ de Saphir nous libère une petite place sur le salary cap. Enfin, ça, c'est une stratégie qui va nous faire gagner de l'argent par rapport au budget 2021. Donc, on a des choix et des stratégies à faire en tant que club. Et le but est d'essayer de devenir de plus en plus fort pour 2021. Et surtout, et on vient de le voir avec la situation de Kiza, qui arrive ce soir sur Montréal. Il devait arriver depuis bien longtemps. On avait décidé d'attendre avant d'acheter un poste international pour lui, parce que sans savoir exactement comment ça allait se passer avec les documents et la situation Covid, on avait eu l'OK, on a pris la place internationale, et quelques heures après, les frontières au Ouganda ont fermé. Donc, moi, je ne suis pas Harry Potter, je ne peux pas savoir ça 24 heures avant que le gouvernement ougandais ait décidé ça. Donc, ça a bloqué beaucoup de choses. Et il arrive maintenant. Mais il faut bien se rappeler aussi qu'Isa est un jeune Africain qui va venir ici. C'est sa première expérience loin de chez lui. Donc, il faudra lui donner le temps aussi. Moi, c'est plus s'habituer à la ville, au club, pour 2021. Donc, c'est tout en prospection de 2021. Et ce qui est important de dire aussi par rapport à la place internationale que nous avons achetée, on n'a pas acheté une place internationale pour Kiza, on en a acheté deux avec une qui sera pour 2021. Donc, on n'a pas, parce que j'ai déjà lu plusieurs fois, dépensé 75 000, et on a même communiqué comme ça, je pense, 75 000 maintenant et 150 000 pour l'année prochaine. Ce n'est pas comme ça que je le vois. On a dépensé 225 000 pour deux postes, et le plus important pour moi, c'est pour le poste de 2021, parce qu'avec la situation Covid, même les clubs américains, pour moi, risquent d'avoir des problèmes pour avoir les green cards. Donc, je crois que le prix va augmenter la saison prochaine. Et ce qui m'a permis maintenant déjà d'avoir une place l'année prochaine à 150, qui pour moi risque d'être plus cher la saison prochaine. Donc, c'est plus en pensant d'économie pour la saison prochaine. Sofiane Benzaza maintenant. Sofiane. Oui, merci beaucoup, désolé. Merci Patrick. Bonjour Monsieur Renard. Pour un peu revenir avec votre expérience en MLS, comment est-ce que vous voyez le travail du directeur sportif dans Major League Soccer? Disons qu'on oublie un peu la pandémie, ce qui est difficile, mais dans les processus, dans la réalité des salary cap et du TAM et du GAM, et vous venez de parler de passe international, comment est-ce que vous voyez votre évolution de directeur sportif dans une ligue fermée, la première fois pour vous, puis aussi une ligue assez spéciale en termes de règlement et de restrictions financières? Ben, c'est vrai que même en arrivant, moi, je n'avais pas utilisé le mot spécial, j'avais utilisé le mot étrange. Parfois, il y a des décisions et des règlements un petit peu qui sont un peu farfelus par rapport à l'Europe. Mais c'est à moi de m'habituer et je me suis habitué. Donc, bon, il faut dire aussi que j'ai l'aide de Vassili qui m'a tout expliqué assez rapidement. Après, j'ai encore besoin de lui, évidemment, pour beaucoup de choses. Mais moi, à partir du moment où j'ai pris la décision de venir ici, je savais que c'était quelque chose de différent de l'Europe. Mais je me plais et effectivement, avec ce Covid, ça a changé beaucoup de choses. Mais comme je viens de l'expliquer dans la question précédente, on est projeté aussi sur le budget de 2021 et de rendre le club plus fort pour les années prochaines. Donc ça, je le faisais aussi en Europe et ça reste pour moi, le football reste quand même le football sur le terrain. C'est les mêmes émotions, c'est les mêmes problèmes, c'est les mêmes blessures. Mais au niveau job, c'est vrai que c'est différent, mais ça me plaît. Tristan Damour maintenant, MLSsoccer.com. Merci. Je vais garder ça en français juste pour être bien clair. Vous avez parlé de green card, de carte verte, qui est évidemment un avantage que les équipes américaines ont sur les équipes canadiennes.
on a récemment eu vent que en février, il y a eu un 150 000 de gamme qui a été donné aux trois équipes canadiennes pour acquérir des places internationales. Est-ce que ça fait un peu un bombe sur cette situation ou c'est encore, à votre avis, un très gros désavantage que les équipes canadiennes ont vis-à-vis le fait de pouvoir naturaliser des joueurs étrangers? Ben, c'est vrai qu'on avait un point faible par rapport au ou un handicap par rapport aux équipes américaines. Et effectivement, ces 150 000-là, c'est un accord avec la Ligue. Donc, cette année-ci, on a reçu ça. C'est aussi pour ça qu'on a décidé de diviser 75 000 de l'achat de cette année-ci, le poste international, et 150 l'année prochaine, parce que nous espérons pouvoir encore bénéficier de ces règlements-là. Et je l'espère, parce que ça serait effectivement un petit peu plus équitable pour nous. Mais là, maintenant, vous commencez parfois à comprendre. Et je sais, et je vous comprends, vous ne pouvez pas toujours tout savoir. Mais là, c'est pour ça que j'en profite pour essayer de vous expliquer un peu certaines de nos décisions par rapport à la Green Card de l'année prochaine. Et je me suis un peu permis de dire peut-être des difficultés supplémentaires pour les clubs américains l'année prochaine, pour les équipes américaines, pardon, l'année prochaine d'avoir les Green Card. Je ne sais pas, c'est mon avis, mais je préfère anticiper ça. Mais effectivement, il y a eu ce montant distribué aux clubs canadiens. Plusieurs questions cet après-midi. On va en prendre encore 3-4 dernières. Gavino, IMFC Radio. Merci, Pat. Olivier, il reste 5 matchs à la saison. D'ici 3 semaines, la saison régulière est terminée. On sait que le gardien de but, Clément Diop, a quitté hier pour la France pour des raisons personnelles et tout ça. Il y a des bonnes chances d'être appelé par le Sénégal pour disputer des matchs au début novembre et tout ça. Je veux dire, c'est quoi les chances que vous évaluez de revoir Clément Diop d'ici la fin de la saison régulière, sachant très bien que s'il revient, il va falloir qu'il passe encore le protocole de 10 jours et tout ça. Donc, je veux vous entendre. Merci. Mais je pense que Clément aurait préféré partir en équipe nationale que de partir où il est parti maintenant avec les petits problèmes qu'il a. Mais le club, moi, je le soutiens. Donc, il va revenir normalement en fin de semaine ici. Il va revenir sur les États-Unis. Je pense qu'il va rentrer directement là-bas. Il aura effectivement cette quarantaine de 9 jours. Je pense que c'est 9 maintenant. Après, tout ce qui est sélection, ça sera au coach à décider. Moi, je suis content d'avoir vu aussi James Pantémis hier, un jeune Canadien, international espoir canadien. Le choix d'avoir trouvé un accord avec un échange avec Evan Bush, ce n'était pas un truc désespéré. C'est parce qu'on a confiance aux jeunes qui sont derrière. Je sais que la dernière conférence, on m'avait posé la question quel est le niveau de Pantémis et quels sont les niveaux de Pantémis et de Sirois. Nous, en tant que club, nous avons confiance en eux. Je crois que James, malgré la défaite hier, a fait son match et il a montré peut-être les 10 premières minutes un petit peu de stress, ce qui est normal pour son premier match. Mais après, beaucoup d'aisance, notamment en ballon au pied. Donc, je suis content de son match et je suis content qu'un jeune Canadien a eu des minutes. Après, ça sera au coach à décider quand Clément sera de nouveau sélectionnable, qui met dans les buts. Olivier Brett, à nouveau. Oui, merci. Olivier, qu'est-ce que tu peux nous dire ou qu'est-ce que tu sais sur la suite en Ligue des champions? Là, on entend que ce serait potentiellement en décembre. Est-ce qu'il y a du vrai là-dedans? Est-ce qu'il y a eu des communications de la CONCACAF? Et pour vous, comme club, ça implique quoi là, pour la suite après la saison régulière ou les séries? Bien, ce que je sais, c'est que moi-même et notre président Kevin Gilmour, et les joueurs aussi, tout le monde, on a envie de continuer. Donc, ça, c'est le plus important. On n'est pas en train de se dire où ça va être des matchs en plus. Non, on a vraiment envie de continuer l'aventure. Je sais qu'il y a une ou deux infos qui sont sorties ce matin, mais nous, de notre côté, on ne peut pas encore communiquer malheureusement plus précisément parce qu'on n'a pas encore plus de précision, pardon de dire le même mot, mais c'est la réalité. Donc, j'espère que très bientôt, il y aura une décision, mais nous, de notre côté, on a vraiment envie de continuer cette aventure-là. Jérémy. Oui, merci. On n'a pas eu la chance beaucoup de se parler récemment, là, mis à part le point de presse là, pour Evan Bush. On a passé, bien sûr, la mi-saison. J'aimerais vous demander, quel est votre niveau de satisfaction du travail de votre entraîneur Thierry Henry jusqu'à maintenant? Merci. Écoutez, pour l'instant, le club est content de l'évolution. Je sais qu'on pourrait toujours faire mieux et on doit faire mieux. Je vais être un petit peu, je vais dire, sur la défensive dans ce que je vais dire maintenant parce que c'est ce que je vous ai dit, je ne voulais pas parler du fait que nous étions dans le New Jersey, mais si on regarde les prestations de l'équipe et le classement, avant de se rendre là-bas au New Jersey, on était, je pense, à quelques points de la troisième ou de la quatrième place. Et
et on a un petit peu chuté au classement les dernières semaines. On a chuté au classement les dernières semaines. Je crois que c'est pas les fruits du hasard. C'est le fait d'être là-bas, c'est pas évident, mais je prends pas ça. Mais c'est la réalité. Donc par rapport au ce que le staff veut mettre en place, et je crois qu'on est tous d'accord, il y a des matchs que nous avons perdus en pratiquant parfois du bon football et en prenant des bêtes cartons rouges. Donc, mais l'identité footballistique, si quelqu'un demandait comment est-ce que l'Impact de Montréal jouait, je parle des 5-6 dernières rencontres, vous allez tous savoir un petit peu expliquer comment et c'est quoi le style de jeu. Et ça, c'est ce qu'on a décidé, Thierry et moi, quand nous sommes arrivés ici, c'est d'avoir une identité sportive. Après, les résultats peuvent être meilleurs, moins bons, mais j'espère surtout meilleurs. Mais depuis le début de la saison, on a toujours été dans les 10 premiers, qui est le but, je veux dire, initial, ce n'était pas 10 places. Je suis au courant, je sais que il y a eu des places ajoutées pour les playoffs, mais on n'est jamais sorti de ces 10 places. Donc, pour le moment, on est toujours en course pour ces playoffs. Et moi, je vois l'évolution de certains joueurs, des joueurs qui étaient jeunes, qui n'avaient pas de nom, que les supporters ou vous-même, vous ne connaissiez pas. Et peut-être que maintenant, si on cite les 5 ou 6 meilleurs joueurs de l'Impact de Montréal pour l'instant, ben vous allez citer des noms qui étaient inconnus au bataillon il y a quelques mois. Donc, je suis content de ce que le staff fait au niveau de l'évolution de certains joueurs, oui. Et on en a une dernière de Tony, à nouveau. Yes, Olivier. You said earlier that one of the things that you're interested in looking into is why are there so many injuries and happening one after another? There was a graph that came out a couple of days ago that showed that the Montreal Impact prior to last night's game have made the least amount of substitutions in the league at 2.33 per game before the game. And this by far less than anyone else. In your opinion, do you think certain injuries could have been avoided by having more substitutions done? Tony, honestly, I think that I answered already on discussion. These are all decisions about the staff. And I speak about this also with my staff, medical staff and technical staff, but they are inside thing. I don't need to speak with everybody about this, but the last word, the last decision is the staff, it's not me. About this case of substitution or not. Merci beaucoup, Olivier, pour ton temps cet après-midi. Ça fait le tour des questions qu'on a eues. Merci. Merci, au revoir. Merci. Et merci à vous d'avoir été là. Je peux vous dire tout de suite que la prochaine conférence vidéo, ce sera demain avec Thierry Henry et un joueur en vue du match de samedi. So the upcoming video conference will be tomorrow. You'll receive the media advisory as soon as possible with Thierry. And a player. Merci. Bonne fin de journée, tout le monde. À bientôt.